Les gars, est-ce que vous voulez gagner de l'argent en Afrique? Parce que franchement, moi je vous donne toutes les idées pour que vous puissiez gagner de l'argent en Afrique et j'espère que vous les suivez. Est-ce que vous voyez ce camion-là? C'est une manne d'or, les gars. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce secteur. Donc si vous aussi vous voulez devenir riche, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que vous êtes prêts. A tout de suite. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Brabo. Bienvenue sur la chaîne d'investisseurs africains. Ici, on parle de comment réussir tous ces investissements en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse déjà, vous avez deux choses à faire. La première chose, abonnez-vous et ensuite, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Et vous pouvez faire une chose supplémentaire, c'est de partager cette vidéo afin de partager la connaissance, ce qui permettra à un plus grand nombre de gagner de l'argent. Et c'est le pouvoir économique qui fera en sorte que les Africains seront respectés dans le monde entier. Vous connaissez la chanson, mais c'est une réalité. Je suis encore avec Josias. Josias, c'est mon grand partenaire, celui qui est sur le terrain. Il aura le temps de parler tout à l'heure. Si vous n'avez pas regardé la précédente, allez la voir. Vous allez voir Josias qui s'exprime bien comme un prof et qui maîtrise le métier des négociants. Et aujourd'hui, on va parler, Josias, d'un autre pan du business. Okay? Parce que quand on achète les produits à l'intérieur du pays avec les pisteurs et les planteurs, il faut bien acheminer ces produits sur Abidjan ou vers les différents ports. Et du coup, qu'est-ce qui rentre en jeu quand il s'agit de faire ça? Ce qui rentre en jeu, c'est les camions. Les camions, oui. Les camions. Il faut avoir un réseau de propriétaires de camions. Bon, nous, on a un réseau de propriétaires de camions avec qui on travaille. C'est ça. Mais voici cette remorque-là, hein, qui est derrière nous. Cette remorque-là appartient à une personne qui a vu le potentiel, hein, dans le transport de marchandises, hein, dans le camion. Et il est allé, il a fait un investissement. C'est ça. Cet investissement-là, aujourd'hui, rapporte. Parce que nous, il entre en contact avec nous. Nous avons un produit à déplacer d'un point A à un point B. Et ce trajet-là a un coût. Bien, dans la zone d'Issia jusqu'à venir ici à Saïwa, Libéroa, à venir jusqu'à Abidjan, on nous facture 500 000 francs le coût du transport. Donc 500 000, tout compris. Tout compris. On va parler de chiffres, hein. Vous savez, on partage tout avec vous. Donc ce qui se passe, c'est que nous entrons en contact avec le propriétaire du camion qui exige, avant de venir, hein, une avance. C'est ça. Donc nous faisons une avance de 250 000 francs. Cette avance-là sert à mettre du carburant dans le véhicule et de venir à notre position. C'est ça. Quand ils viennent à notre position, nous transportons le produit et c'est à l'arrivée, quand on finit le déchargement, qu'on donne l'autre partie, hein, de l'argent. C'est ça. Donc voici un peu. Voilà. Donc pourquoi j'en parle? Parce que nous, notre objectif, c'est de faire 10 camions par semaine. Vous voyez, si on fait 10 camions par semaine, imaginez qu'on donne 500 000 francs CFA par camion, ça nous fait 5 millions de francs CFA par semaine. Ce qui nous fait 20 millions de francs CFA par mois. Donc c'est un gros budget que nous dépensons juste pour transporter le caoutchouc. Donc forcément, on va acheter notre véhicule aussi, notre camion, pour pouvoir aussi optimiser les coûts à ce niveau-là. Maintenant, si vous nous dites que vous avez de l'argent, que vous voulez acheter un véhicule et le mettre à la disposition de planteurs, de négociants, c'est un bon business pour vous. Parce que ce genre de camion, on va dire quoi? Si vous les achetez déjà utilisés en seconde main, vous allez dépenser quoi? 30 millions, 30 millions. 30 millions à peu près pour avoir ce camion en seconde main. En neuf, je crois que ça tourne autour de 60 millions. Donc 30 millions en un mois. Avec un seul client, vous pouvez déjà avoir 20 millions. Et on n'est pas les seuls clients. Parce que le même camion, quand il vient, il prend des marchandises pour venir depuis l'intérieur du pays jusqu'à Abidjan. Mais quand il repart, il facture encore ou bien il prend d'autres marchandises pour repartir. Il ne va pas vide. C'est ça qui est intéressant. Donc, il vient avec des marchandises, il part avec des marchandises et un aller-retour peut facilement faire 1 million de francs CFA, on va dire comme ça. Donc, si on enlève l'essence et le salaire du chauffeur, vous voyez un peu la manne financière qui rentre dans la poche du propriétaire du camion. Donc, moi, je suis déjà dans les transports. On fait les VTC. Vous savez déjà qu'on a 80 véhicules en VTC aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre pan de transport qui rapporte de l'argent, les gars. Il y a tellement d'argent à se faire dedans que c'est dommage, encore une fois, que les Africains soient en train de dormir
et que ça, ce soit d'autres personnes qui le fassent. OK? Donc, si vous aussi, vous vous dites que vous voulez vous lancer dans les transports, il n'y a pas que la VTC. Il y a aussi le business des camions. Vous commencez avec un camion, vous pouvez transporter ce genre de marchandises, du sable, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième, un troisième. Et ce qui est avantageux, il y a des systèmes où vous achetez le camion, vous donnez à une personne qui fait un peu l'exploitation du camion et qui vous donne un montant fixe par mois ou par semaine. Vous n'avez plus besoin même de vous fatiguer. Est-ce que le chauffeur, il a conduit, est-ce qu'il n'a pas conduit? Parce qu'un grand problème dans les transports, c'est le chauffeur et la qualité du chauffeur que vous allez avoir. Vous avez un bon chauffeur, votre business marche bien. Vous avez un chauffeur un peu bancal, ça va être très compliqué. Avec les chauffeurs, vous prenez votre camion, vous le mettez à la disposition de quelqu'un qui va faire toute l'exploitation. Et du coup, vous en sortez avec l'argent. Je dis, certainement, vous vous posez une question de savoir, mais comment faire pour vous rassurer que le camion roule bien, que le chauffeur va bien rouler? Josia, c'est quoi sur le terrain qui permet à des propriétaires de camions de se rassurer que le camion fait bien les trajets, que le chauffeur ne dort pas quelque part et tout ça? Pour se rassurer, le propriétaire du camion met un système à l'intérieur de ce camion-là, un traceur. C'est ça. Qui fait le trajet, qui met, ou du moins, qui suit tout le parcours du chauffeur dans telle ville, dans telle ville. Si le chauffeur dit au propriétaire qu'il y a un client qui se trouve dans la zone de, par exemple, d'Anané, et qu'il se retrouve dans la zone de Gagnoua, le propriétaire a la capacité de voir où le véhicule se trouve. C'est ça. Et l'immobiliser net. Il peut couper le moteur à distance. À distance, ouais. Et l'immobiliser net. C'est ça. Donc voici un peu la sécurité qu'a le propriétaire du camion ou la suivi de son camion. C'est ça. Mais c'est très important quand vous vous lancez dans les transports de pouvoir visionner votre véhicule à distance. Parce que la plus grande crainte que plusieurs ont, c'est que le véhicule disparaisse ou que le chauffeur dise qu'il est à tel endroit alors que le véhicule se trouve à un autre endroit. Ou tout simplement que le chauffeur vous dise qu'il est en circulation alors qu'il est en immobilisation. Parce qu'un trajet, ça fait peut-être 5 heures. Il y a des chauffeurs qui ne sont pas sérieux, qui vont le faire en 10 heures parce qu'ils vont s'arrêter tout le temps. Ils vont dire qu'ils ont des accidents et tout. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, comme les traceurs, les systèmes, comme les GPS, pour pouvoir se rassurer que le véhicule est toujours bien, ou bien de se rassurer des opérations que le chauffeur fait avec les véhicules. Il y a plein de choses qu'on fait également. Il faut faire aussi des suivis réguliers pour se rassurer que, voilà, on prévoit les pannes. Moi, j'ai travaillé à un moment donné avec un partenaire qui installait des GPS ou des mouchards dans le véhicule qui permettaient de prédire les pannes, qui permettaient de prédire le niveau d'essence et plein d'autres choses, et du coup, qui facilitaient l'entretien du camion. En tout cas, ça, c'est un business juteux. Si vous achetez le camion à 30 millions et que vous arrivez facilement à faire même 10 millions par mois de revenus nets, parce que les 10 millions, l'argent que j'ai cité tout à l'heure, les 20 millions par mois, forcément, il faut enlever le carburant et tout ça. Et si vous arrivez à faire 10 millions nets par mois, en 3 mois seulement, vous récupérez votre capital. En 3 mois, peut-être même en 6 mois, vous comprenez? Et vous récupérez votre capital et c'est tout bénef pour la suite parce que ça va être de l'argent qui vient en plus. Avec le VTC, le taxi, on a besoin de 12 à 18 mois pour récupérer l'argent. Alors qu'avec ça, vous pouvez récupérer très vite et c'est un business juteux. Il y a tellement d'argent à se faire dedans que c'est dommage, encore une fois, que les Africains soient en train de dormir et que ça, ce soit d'autres personnes qui le fassent. OK? Donc, si vous aussi, vous vous dites que vous voulez vous lancer dans les transports, il n'y a pas que la VTC, il y a aussi le business des camions. Vous commencez avec un camion, vous pouvez transporter ce genre de marchandises, du sable, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez faire un deuxième, un troisième. Et ce qui est avantageux, il y a des systèmes où vous achetez le camion, vous donnez à une personne qui fait un peu l'exploitation du camion et qui vous donne un montant fixe par mois ou par semaine. Vous n'avez plus besoin même de vous fatiguer. Est-ce que le chauffeur, il a conduit, est-ce qu'il n'a pas conduit? Parce qu'un grand problème dans les transports, c'est le chauffeur et la qualité du chauffeur que vous allez avoir. Vous avez un bon chauffeur, votre business marche bien. Vous avez un chauffeur un peu bancal, ça va être très compliqué. Donc, si vous ne voulez pas vous fatiguer avec les chauffeurs, vous prenez votre camion, vous le mettez à la disposition de quelqu'un qui va faire toute l'exploitation. Et du coup, vous en sortez avec l'argent. Si c'est une chose qui vous intéresse, les amis, dites-le moi dans les commentaires. On va forcément trouver les contacts et puis on va pouvoir travailler avec vous. Sinon, peut-être même on travaillera avec vous si vous le voulez. Nous, on veut certes acheter des camions, mais c'est un business à part entière. Il ne faudrait pas qu'on se perde dans ce business-là. C'est ça. Il faut se lancer maintenant. Si vous ne prenez pas des risques, vous n'allez pas avoir de l'argent. C'est la règle numéro une
pour pouvoir gagner de l'argent et devenir riche. En tout cas, Josias, merci. On va continuer notre travail parce que ça va être une longue journée pour nous aujourd'hui. Et puis à vous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. L'argent.